Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une deuxième édition du format Les couples dans la littérature. Alors oui, je pense que vous en avez marre de la Saint-Valentin, mais je vous jure, je vous promets, ça va être sympa. On va passer un agréable moment ensemble. Agréable moment autour de trois couples d'écrivains qui ont marqué un tant soit peu le monde et l'histoire de la littérature. Donc, trêve de bavardage, c'est parti. Je ne sais pas combien il y a eu de femmes dans ma vie, je l'ignore. Je n'ai jamais compté. Mais il n'y en a eu qu'une. Anaïs Nin et Henry Miller sont, sans aucun doute, l'un des couples les plus sulfureux du XXe siècle. On parle ici tout de même d'une relation entre la première femme à avoir fait publier des nouvelles érotiques et briser de nombreux tabous avec ses journaux intimes, et l'un des plus grands romanciers américains, auteur de Tropique du Cancer, qui a quand même été censuré aux États-Unis. Leur histoire débute donc en 1931, lors d'un dîner chez Anaïs et son mari Hugues Guiller. C'est une rencontre somme toute assez improbable, mais qui va marquer le début d'une relation de plus de 20 ans quand même, c'est pas mal. Et je vais vous lire un passage qui décrit la première fois qu'Anaïs a vu Henry Miller. Lorsque j'ai vu Henry Miller s'avancer vers la porte où j'attendais debout, j'ai fermé les yeux un instant pour le voir de l'intérieur. Il était chaleureux, détendu, naturel. Il ressemblait à un moine bouddhiste, un moine à la peau rose avec son crâne à moitié chauve, auréolé de cheveux argentés et sa bouche pleine et sensuelle. À l'époque où ils se rencontrent, ce sont tous deux des écrivains en herbe, à la fois grands lecteurs, amoureux de la littérature, et ils aiment surtout cette littérature qui bouscule les mœurs, qui sort des sentiers battus. Les deux mènent des vies sans tabou, ils cherchent constamment de nouvelles aventures, et c'est vraiment l'époque où Anaïs Nin vient de sortir son premier livre sur D.H. Lawrence, et Henry Miller vient de sortir Tropique du Cancer, qui a quand même été censuré aux États-Unis jusqu'en 1961, donc pendant presque 30 ans. Leur relation commence comme une simple amitié littéraire, puisque qu'ils s'échangent leurs manuscrits, se corrigent mutuellement, mais après plus d'une année à échanger autour de leur passion commune, cette relation va changer de nature et ils vont se laisser tous les deux aller à leur désir l'un pour l'autre, non comme des corps, mais comme des flammes, comme le dira Anaïs dans ses journaux. Il faut noter toutefois que ce début de relation semble assez bénéfique pour les deux auteurs, puisqu'elle coïncide avec une grande effervescence littéraire, et leur relation ne va quand même pas manquer de déchaîner les passions, puisque Anaïs Nin va enchaîner les rôles d'amie, d'amante, de maîtresse pour Henry Miller, de muse aussi. C'est une affection assez charnelle, on va dire, que je ne peux mieux illustrer qu'avec cet extrait d'une lettre que Henry Miller a adressée à Anaïs. Me voici de retour et la passion couve toujours, fumante comme du vin chaud. Non plus la passion de la chair, mais une faim de toi, une faim dévorante. Et vraiment, toutes les lettres du début de leur relation sont de cet acabit. Après quelques années arrive toutefois le fameux syndrome de la lune de miel, celui qui nous ferait ouvrir les yeux sur les défauts de l'autre après l'aveuglement des premiers mois de relation, et nos deux tourtereaux n'y échappent pas. On va dire que la vulgarité et l'égoïsme d'Henry Miller ne vont pas tarder à rebuter Anaïs, qui va prendre ses distances et repartir aux États-Unis en 1939, mais les deux vont rester très amis et très admirateurs du travail l'un de l'autre. Commencée en 1932, leur correspondance finit 20 ans après, alors qu'ils sont tous les deux devenus célèbres, et même si les deux ne sont jamais mariés, leurs lettres sont empreintes d'admiration l'un pour l'autre. Amour fou et passionnel au début, ils se changent avec les années en tendresse et en bienveillance réciproque. Il s'agit donc ici de l'histoire de deux écrivains plutôt hors du commun qui nous aura laissé de magnifiques recueils épistolaires pour notre plus grand plaisir de lecteur. Je ne sais pas combien il y a eu de femmes dans ma vie, je l'ignore. Je n'ai jamais compté. Mais il n'y en a eu qu'une. Alors, Colette ayant embrassé à peu près 1000 vies dans son existence, il est assez difficile de l'associer à un homme en particulier, mais Henri Gauthier-Villars, aussi connu sous le nom de Willy, est peut-être l'un des plus emblématiques, et c'est aussi le premier. Colette, de son vrai nom Sidonie Gabrielle Colette, a à peine 20 ans lorsqu'elle épouse l'écrivain et critique littéraire Henri Gauthier-Villars, qui est de 14 ans son aîné à l'époque. Willy est un homme secret et avide dont l'ambition est d'être l'homme du Paris fin de siècle. On est donc sur un mariage assez provocant pour l'époque, puisque Colette est une jeune provinciale sans dot et anonyme qui se laisse aveugler par le charisme de Willy. Le problème, c'est qu'il la trompe à peine un an plus tard, mais ce n'est pas l'affront le plus ignoble qu'il lui fait, puisqu'il va aussi lui voler son talent. En effet, Willy multiplie les publications littéraires, mais il n'en écrit probablement pas une ligne, puisqu'il fait travailler des nègres à sa place pour subvenir à ses besoins financiers
conséquent. En gros, il engage des personnes qui écrivent pour son compte, rémunérées à temps plein ou avec un pourcentage des sommes que rapportent les livres, et évidemment, il ne tarde pas à encourager Colette à écrire pour lui. Alors oui, on est sur un homme à la morale assez douteuse, j'en conviens, et c'est sous son nom que seront publiées, à vrai dire, les premières œuvres de Colette. La série des Claudine va connaître un succès considérable jusqu'à ce que Colette en réclame les droits en même temps que sa liberté, et il n'y a que le quatrième et dernier tome de la série qui sera signé Colette. Et petite anecdote, la mort du mari de Claudine, le personnage principal, coïncide avec la séparation de Colette avec Willy. Coïncidence ? Je ne pense pas. Et ensuite, Willy, fidèle à lui-même, n'a pas tardé à partir avec une autre femme dès le succès de la série Claudine épuisée, et Colette en pleine rébellion pour retrouver son indépendance. On est sur un homme qui est à zéro sur l'échelle de l'intégrité. Mais ce que je retiens sur toute cette histoire, c'est que le karma finit toujours par nous rattraper, puisque Colette est aujourd'hui considérée comme une des femmes de lettres les plus influentes du XXe siècle, et que je ne connais pas une seule personne qui ait lu Henri Gauthier-Villars. D'ailleurs, j'avais jamais entendu parler de Willy avant de préparer cette vidéo. Comme quoi l'imposture, ça paye pas vraiment sur le long terme. Je ne sais pas combien il y a eu de femmes dans ma vie, je l'ignore. J'ai jamais compté. Mais il y en a eu qu'une. Aragon et Elsa Triolet, c'est un couple solide qui s'inscrit au cœur des mots et de la tourmente d'une époque. Dans le Paris littéraire des années 20, ils vont se rencontrer au café La Coupole, et ce qu'ils ne savent pas encore à l'époque, c'est qu'ils vont passer les 42 prochaines années ensemble. Après avoir quitté son mari français André Triolet, dont elle conservera le patronyme, Elsa s'installe à Paris, attirée par le milieu artistique des écrivains surréalistes. À la fois jeune et solitaire, elle connaît à l'époque un succès grandissant avec ses écrits intimistes, et c'est le 6 novembre 1928 qu'elle rencontrera Louis Aragon. En endossant ce statut de muse pour Louis, elle va au début arrêter l'écriture et se consacrer à la création de bijoux haut de gamme pour de grandes maisons parisiennes, mais évidemment, son talent ne tarde pas à la rattraper et elle reprend très vite l'écriture, cette fois en russe. Elle aussi en quête de réalisation intellectuelle et, on va pas se mentir, cette femme était géniale, elle va peu à peu prendre une place littéraire considérable auprès de Louis Aragon pour quitter ce statut de muse et être son égale. Leur histoire s'inscrit petit à petit sous fond de révolution russe, de résistance, puisque les deux sont politiquement très investis dans la cause communiste. Ils sont liés par leur amour commun et cette passion de la révolution, se marient en 1939 et ne cessent ensuite de s'impliquer dans la résistance des milieux intellectuels contre le nazisme. À la Libération, Aragon publie son très célèbre ouvrage Aurélien et Elsa Triolet va devenir la première femme à obtenir le prix Goncourt avec ce recueil de nouvelles, le premier accroc coûte 200 francs. On est donc sur un level de génie assez élevé. Ils deviennent les figures de proue du mouvement communiste français, puis se retire du courant lorsque sont connues les horreurs du régime totalitaire et ses crimes en URSS. Ils se consacrent à leur travail d'écriture et le couple s'installe au Moulin de Villeneuve en 1951 pour trouver un refuge et en faire un lieu d'écriture. Le couple ne se séparera plus jusqu'au jour où le cœur d'Elsa cessera de battre, le 16 juin 1970. Poèmes, romans, articles de journaux, interviews, de nombreuses ressources nous restent aujourd'hui preuve irréfutable de leur amour extraordinaire. Ils étaient pleins d'admiration l'un pour l'autre, épris de liberté, révolutionnaires dans l'âme, et ça se ressent dans leur œuvre. Pendant plus de 40 ans, il est presque impossible de penser l'un sans l'autre dans le monde de la littérature et des arts. Leurs œuvres se croisent, se répondent et se prolongent les unes les autres. Louis Aragon disait d'ailleurs qu'Elsa Triolet était l'aventure intellectuelle de sa vie, et il ne manquait jamais une occasion de vanter ses mérites et l'influence qu'elle avait eue sur son œuvre. Comme quoi on peut avoir un couple sain et solide et pondre des œuvres absolument brillantes, n'en déplaise aux Baudelaire et Verlaine. Si l'on regarde l'ensemble des livres que j'ai publiés depuis 1936 jusqu'à 1964, on peut s'apercevoir que même là où Elsa n'est pas nommée, elle est présente. Et beaucoup des choses qui sont dites et que l'on a pris pour des choses symboliques, comme pendant la période de la Résistance, où les gens croyaient que je disais Elsa pour dire la France, ce qui est stupide car je ne me suis jamais gêné pour dire le nom de mon pays. Même partout où c'est la suite d'une certaine idée qui possède un nom fort indécent, qui est celui de l'amour, c'est entendu. Merci à vous d'avoir passé cet agréable moment en ma compagnie, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse le premier épisode de ce format dans le petit et en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y jeter un œil si ça vous intéresse d'en savoir plus sur
Paul Verlaine et Arthur Rimbaud, sur Albert Camus et Maria Cassares, et sur Alfred de Musset et George Sand. Croyez-moi, il y a des histoires assez sympathiques et rocambolesques à découvrir avec ces 6-là aussi. Je vous souhaite une agréable Saint-Valentin si vous la fêtez, sinon profitez bien de votre 14 février pour vous faire plaisir, et je vous dis à la prochaine.